전화. 150 bonnes réponses récoltées parmi 30 000 proposées. Mais juste 35 lauréats sortis victorieux à l'issue d'un tirage au sort. Pour une récompense indélébile traduite par une visite de sites touristiques dans les régions du centre et du sud. Nous sommes, on vous l'a dit, en route pour le parc national de la Méfou, situé dans la localité des Cali 2, près de Mbalmayo. Je vous souhaite bonne arrivée ici au parc. Ce parc est dirigé par Air Action Africa. Et maintenant, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous sommes très contents de votre visite. Maintenant, vous allez partir. Le parc va vous donner deux guides. Un guide va vous guider, il sera devant. Et autre guide va prendre la fin pour vous amener. Et comme vous savez, le parc est fermé. On va vous donner une partie de ce côté. Et vous allez visiter premièrement ici le gorille. En quittant le gorille, vous allez encore partir devant visiter les chimpanzés. Après les chimpanzés, il y a le grand gorille devant. Dès que vous finissez ce secteur, on va vous ramener ici dans le centre. Je vous remercie beaucoup. Air Action Africa est très content de votre visite. Merci beaucoup. On vous l'a dit sur Cameroun Vision aujourd'hui, spéciale question pour un touriste. Nous étions là déjà il y a quelques mois pour planter le décor de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il était question de vous en parler d'abord. Par la suite, nous avons dévoilé le questionnaire. Et là maintenant, nous avons dépouillé les gagnants de ces 72 heures de découverte organisées par le ministère de tutelle, celui du tourisme et des loisirs, découverte du Cameroun par les Camerounais. Chaque Camerounais se doit d'être le premier promoteur de la destination Cameroun. Et on ne peut promouvoir une destination si on ne la connaît pas. Ça, le ministère l'a très bien compris. Et au travers de questions pour un touriste, nous allons revenir régulièrement, peut-être de façon mensuelle, peut-être ce sera bimensuel, ou alors voilà, plusieurs fois dans l'année. Dans tous les cas, le ministère vous donnera une destination à découvrir. Au travers d'une question, il vous suffira d'en donner les bonnes réponses pour bénéficier d'un certain nombre de jours de voyage, de découverte vers une destination pour le Cameroun. Dans le cas actuel, nous sommes partis de Yaoundé, précisément du bois Saint-Anastasie. Il y a de cela moins d'une heure et là, c'est le first step, c'est le cas de le dire. De ce périple de 72 heures, nous sommes bel et bien au parc de la Méfou, la réserve, le sanctuaire, j'ai envie de dire, des gorilles et des chimpanzés et de quelques autres primates. Vous avez eu le décor planté tout à l'heure par le guide qui vous a donné un aperçu de ce à quoi nous aurons affaire ici. Allons donc vers la première découverte qui est portée vers la Nesvi. Il s'agit d'une sorte de maternelle. Le reportage qui suit va vous en dire davantage. Yeah.
police. Keep quiet so that we can all hear. Le petit blanc, oui oui, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, 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 ça vous l'ambiance, Ubikuti, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, à droite, mouvement, à gauche, qu'on appelle mouvement, le Pecos, direction, à l'hôpital, docteur, c'est mauvais. Saga Africa, ambiance de la boue. Saga Africa, attention le secours. Saga Africa, ambiance de la boue. Saga Africa, attention le secours. Puisqu'on appelle ça la canne des joues, quand on est en train de manger. C'est bon. Direction quartier au damage, poulet braisé avec le meilleur. Ah, comment goûte le meilleur? Comment tu es calé à Elan Oiseau? Et tu es un shogun, hein? Tu danses un peu bancal, mais c'est bon, mouvement de hanche. Ah, mouvement bangala. Okay, attention, le type là est trop dangereux. Viens, ma soeur, fillon, l'affaire est très grave. Attention, ma soeur, attention. De la brousse, Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les lions indomptables. Donc on dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc on les défenseurs voient complètement flac. François Omambi, Amoti, église insolent. Deux solos et lance Mila, au bombe de Mila. Dribble là-bas, un dribble sorti tout droit du laboratoire footballistique des Toulus. L'affaire est grave, il tire au goal, il y est. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secours. Saga Africa, Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secours. Le type là, oui oui, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, ambiance, sous-pousse, ambiance, Makossa, ou l'ambiance, Ubikuti, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement, à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Welcome to Cameroun. Cameroun Vision sur... Direction quartier
au damage. Poulet braisé avec le meilleur. Ah, comment on goûte le meilleur? Comment tu es calé? Ah, et l'anouazou. Et tu es un shogun, hein? Tu danses un peu bangal, mais c'est bon, mouvement de hanche. Ah, mouvement bangal. Attention, le type là est trop dangereux. Tiens, ma soeur, fillon, l'affaire est très grave. Attention, ma soeur, attention, attention, à chaud. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les lions indomptables. Nos chronos dégagent, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omambi, Amoti, église insolent. Dieu solant et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti du doigt de laboratoire footballistique des Toudis. L'affaire est grave, il tire au goal. Il y est. Dedans, dans le toit, mal, tout ça, ce sont les dos agentés. Mais parmi le toit, dos agentés, c'est un qui est le mal dominant. Donc, Kamon et Kibou, ce sont les dos agentés avec Bobo, mais c'est Bobo qui est le mal dominant. Ouais. Bon, quand Bobo approche ici, les autres. Bon, il faut que vous preniez les photos que ça vous plaît, d'ici là où est qu'on rentre. 30 secondes. Saga Africa. 20 secondes. Saga. 15 secondes. Et pour le cas, la vie est belle chez les animaux. On ne rêve pas d'être ingénieur, médecin, machin. Il est temps de la tête. Yo, mon nigger. Je suis émerveillée face à cette richesse dont regorge mon pays. Nous sommes actuellement au sanctuaire du parc de la Meufou et on a rencontré beaucoup de sites et je suis vraiment très ravie. J'espère que ça va continuer ainsi. Nous sommes contents de voir qu'au Cameroun, tout genre d'espèces d'animaux, surtout des animaux que nous n'avons jamais vus. Voir un gorille qui pèse plus de 300 kilos, c'est la première fois. Donc, je suis impressionnée, je suis contente des merveilles que contient notre pays, le Cameroun. Bien évidemment, moi je suis d'ailleurs très heureux de cette initiative-là du ministère du Tourisme et des Loisirs pour cette visite, pour cette occasion qui m'est offerte avec tous les participants. Et je peux vous dire que je porterai bien sûr très haut les couleurs de cette nature-là, de notre tourisme-là, de ces sites merveilleux.
que le Cameroun regorge. Et je peux dire que bravo encore et Dieu merci d'avoir cette belle nature au Cameroun. Et j'invite tous ceux qui regardent à reconnaître que le Cameroun fait partie des pays les plus touristiques au monde. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de cette première étape. On vous l'a dit, nous étions à la découverte des primates. Et il faut le préciser qu'au-delà de la faune, il existe ici une flore qui vaut aussi le détour. Il y a tout un circuit consacré à cette flore avec des spécificités des arbres qu'on ne retrouve nulle part au monde. On aura l'opportunité de revenir là-dessus. Prenons les premières impressions de suite et allons tout de suite justement du côté de France. C'est la diaspora du Cameroun qui est représentée. Alors Orly, toi qui es habitué du Cameroun, toi qui viens pour une raison, pour une autre, on va dire généralement c'est pour le culturel, parfois c'est des funérailles, parfois c'est des deuils, parfois c'est des anniversaires, mais là on est en plein dans la nature. Est-ce que le Cameroun tel que vu depuis le temps que tu le fais, c'est une première expérience pour toi qui viens d'ailleurs ou il y a d'autres parties du pays que tu connais sous cette forme? Non, pas du tout. En fait, c'est une première expérience et puis je me demande pourquoi ça fait autant d'années, enfin tant d'années avant de découvrir autant de merveilles, quoi. Mais je pense que c'était un manque d'informations. Bah, et le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a fait. Et justement, voilà, il me donne, comment dire, il m'accorde cette opportunité, cet honneur de visiter, de mieux connaître mon pays. Et bah, j'espère que beaucoup viendront après nous, quoi. Alors, je sais que les vacances, généralement chez vous, quand je dis chez vous, je veux dire votre pays de résidence. Dans les habitudes occidentales, les vacances, c'est une obligation ou presque. Jusqu'ici, quand tu ne viens pas au Cameroun, est-ce que ce genre d'environnement, ailleurs qu'au Cameroun, tu l'as déjà visité? Pas vraiment, parce que moi, à chaque fois que je vais en vacances, c'est au Cameroun. Ah oui. Je ne cherche même pas à aller ailleurs. Dès que j'ai deux semaines, trois semaines, c'est toujours le Cameroun. Donc du coup, je ne peux pas te dire que je suis déjà allée visiter. Peut-être quand j'étais à la fac, oui, on faisait des... Voilà, par rapport aux cours et tout, mais... Dès que j'ai les vacances, c'est le Cameroun, dirait. Mais dommage, on n'a pas le temps de visiter, enfin, parce qu'on ne connaît pas ces endroits. Mais je pense que j'en ferai plus, mon fils, on va ramener les enfants et ouais. Je pense que ce serait plus intéressant. Ben voilà, monsieur Ndjana, un petit mot relativement les gorilles, les chimpanzés et d'autres primates qu'on a vus. En plein, on dirait qu'on est en train de faire le parcours de Tarzan pratiquement. Hein. Ce sont les lianes partout, une faune, une flore, tout est naturel, bio. Sentiments là-dessus? Beaucoup de sentiments, vraiment de joie. Parce que venez comme ça, sinon ce sont des choses qu'on voit seulement à National Geography. Maintenant quand on vient, vous avez vu quand le mâle est arrivé frapper la poitrine devant nous, tout ça là. Vraiment c'est très émouvant. Donc maintenant je crois qu'on aura le temps maintenant de réfléchir et revenir vraiment faire une bonne balade avec les enfants. Ben voilà, alors que je me permets de dire, it's just the beginning. Alors tout ceci a été initié par le ministère du Tourisme et des Loisirs, représenté par son directeur de la promo. Alors monsieur le directeur, pour leur mettre un petit peu d'eau à la bouche. J'ai dit tout à l'heure, it's just the beginning. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines minutes? Je veux d'abord rectifier ce que vous avez dit. Nous sommes à notre deuxième étape. La première étape, c'était au bois Sainte-Anastasie. Tout à fait. C'est décor féerique. Alors, nous entrons dans la grande forêt. Nous avons vu les gros singes, nous avons vu les chimpanzés, les petits singes, comme les madrilles et les drilles. Alors, la suite... C'est Ebogo, le fleuron de l'écotourisme au Cameroun. Pour ceux qui sont habitués à Cameroun Vision, ils savent bel et bien de quoi on parle. Direction Ebogo. Et on l'a dit tout à l'heure, autrement, j'allais dire, contrairement à ce que pense monsieur le directeur, lorsque j'ai dit premier site, c'est le premier site vraiment naturel. Hein. Le parc de Bois Sainte-Anastasie, c'est super, on ne sait plus de s'y retrouver. Mais là, il se trouve que c'est au centre-ville de Yaoundé. Et là, nous sommes bel et bien à une cinquantaine de kilomètres, en plein dans l'aire culturelle forestière du Cameroun, en plein dans la forêt équatoriale, habitée par qui? Par les mandrilles, par les drilles, par les gorilles, par les chimpanzés, mais aussi par une sympathique équipe de la faune, du ministère de la forêt, de la faune, qui s'évertue au quotidien pour entretenir ces animaux dans leur espace de vie naturel. Sur Cameroun Vision, si vous arrivez seulement maintenant, ne touchez surtout plus à rien. Vous êtes connecté sur la tribune référentielle qui vous donne à comprendre pourquoi le Cameroun est appelé Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. Tout se trouve ici et les Camerounais doivent connaître leur pays pour pouvoir promouvoir chacun à sa façon la destination Cameroun. Direction Ebogo, le meilleur site écotouristique de la planète. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, sur ce voyage durant, donne et donnera encore histoires et expériences à profusion. À travers une nature, celle du Cameroun,
où abondent tellement d'atouts et invite à la découverte avant l'étape des Bogos. Marquons un petit arrêt pour prendre les nouvelles du berceau de nos ancêtres. Cameroun Vision, nouvelle édition. Bienvenue au parc de la Meufou.